Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons étudier ensemble l'influence du Marquis de Sade dans l'ensemble du recueil Les Mains Libres. Lors d'une première vidéo, nous avions évoqué les représentations féminines qui pouvaient être un hommage à l'œuvre du Marquis de Sade. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au motif de la domination. Comme nous l'avons déjà dit, le Marquis de Sade est un auteur très important dans le mouvement surréaliste. Man Ray et Paul Éluard ont pris sa défense, ont tâché de le réhabiliter à de nombreuses reprises. Dans Les Mains Libres, en forme d'hommage, Man Ray et Paul Éluard dédient une partie entière du recueil au Marquis de Sade. Cependant, il faut bien voir que l'influence du divin Marquis, comme on l'appelle, ne se limite pas aux frontières de cette partie. Il y a des hommages à Sade tout au long du recueil. Ces hommages, ils se retrouvent parfois dans la représentation féminine, comme on l'a vu dans une première vidéo, mais il faut aussi savoir que le motif de la domination qui est présent dans Les Mains Libres peut également être un hommage à Sade. Je m'explique. Le Marquis de Sade, on a tiré de ses pratiques érotiques personnelles le terme, la notion de sadisme. Le sadisme, c'est la joie, la jouissance que ressentent certaines personnes à faire souffrir d'autres personnes. Eh bien ça, paradoxalement pour des auteurs comme Paul Éluard et Man Ray, c'est un thème qui s'illustre à certains endroits des Mains Libres. La meilleure illustration probablement de ce thème de la domination dans les Mains Libres, c'est le diptyque « Pouvoir ». Alors dans le pouvoir, il y a un dessin. Le dessin de Man Ray représente donc une main masculine, visiblement masculine, disproportionnée, qui en serre un corps féminin. Ici, il y a une distinction très nette à faire entre la main masculine, marquée par les veines saillantes, et la féminité du corps féminin, qui s'exprime par la poitrine, par les courbes, mais aussi par les cheveux. Il faut noter aussi que la masculinité et la féminité sont bien ici l'objet du dessin. C'est un dessin anonyme, hein. Il n'y a aucun moyen de voir à qui appartient la main, et le visage de la femme est également coupé comme si elle devait représenter la femme en général et non pas une femme en particulier. Donc voilà, une masculinité, une féminité qui s'exprime également dans les mouvements du dessin. Si vous regardez bien, la main a un mouvement droit et dur, un peu un mouvement phallique, alors que le corps féminin s'exprime en courbe. Voilà, masculinité et féminité. Il y a bien ici un lexique, comment dire, une illustration de la proie et de son prédateur. On voit dans le dessin que la femme n'a pas d'autre choix que de se faire emporter par les griffes du prédateur. Ce thème de la proie et du prédateur, il est également présent dans le poème de Paul Éluard, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il la saisit au vol, l'empoigne par le milieu du corps, la ceinturant de ses doigts robustes, il la réduit à l'impuissance. Alors ici, donc les doigts robustes, c'est le prédateur, l'impuissance, le lexique de l'impuissance, c'est la proie. Vertige de la main dominante, encore une fois le prédateur, couvre toutes les distances sans plus bouger que sa proie. On a littéralement le terme de proie. Il faut voir aussi que ce poème, qui est un poème érotique, à probablement parler érotique, eh bien il insiste sur la domination en ne comportant quasiment que des verbes d'action violentes. Alors on va les mettre en bleu. Il la saisit au vol, l'empoigne par le milieu du corps, la ceinturant, il la réduit, qui est vraiment probablement le verbe exprimant le plus la domination masculine sur la femme. Voilà, puis bon, il y a peut-être bougé ici, il ne semble plus bouger. Par ailleurs, il faut voir aussi que la domination de l'homme sur la femme s'exprime dans le poème par le jeu des pronoms au premier vers et au quatrième vers. À chaque fois, vous voyez que le pronom masculin « il » précède le pronom féminin là. Il l'a saisi au vol, il l'a réduit à l'impuissance. Voilà, pouvoir, c'est probablement le diptyque qui illustre le mieux la domination masculine sur la domination sur le féminin, par contre, pardon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette domination masculine est doublée d'une forme d'ivresse, d'un bonheur de la relation érotique, qu'on retrouve dans la deuxième strophe avec le terme, le substantif « vertige », mais aussi avec le vers entier « couvre toutes les distances », qui souligne un caractère universel comme un bonheur érotique dans la domination de la femme par l'homme. Si pouvoir est le diptyque qui exprime probablement le mieux le thème de cette domination masculine sur la femme et le bonheur
la jouissance que peut en ressentir l'homme, eh bien c'est quand même un thème qu'on retrouve à d'autres moments du recueil, comme par exemple dans le diptyque « Désir » aux pages 20 et 21. Alors, visiblement, c'est un dessin très intéressant que j'aime beaucoup personnellement parce que c'est un des rares exemples où la femme est habillée, elle est même habillée jusqu'au cou. Vous voyez qu'un camé est en train de serrer ses vêtements ici. Mais si la nudité n'est pas là pour exprimer l'érotisme, eh bien c'est l'attitude de l'homme qui est là en fait pour exprimer l'érotisme. Cette main dans les cheveux, cette main qu'on ne peut toujours pas identifier, eh bien elle exprime tout l'érotisme parce qu'elle exprime ici une forme de domination. La femme apparaît comme absolument passive, son regard sort du cadre, on ne voit même pas ce qu'elle regarde, elle a une apparence très calme, alors que l'action ici est concentrée sur cette main masculine. Les mots de Paul Éluard, une fois encore, viennent renforcer la tendance érotique du dessin et viennent ramener ce thème de la proie et du prédateur en réintroduisant le thème de l'animalité. Jeunesse du fauve, bonheur en sang, regardez ça c'est quasiment c'est une antithèse, hein. Le bonheur et le sang dans le bassin de lait qui rappelle l'animalité. Voilà, le bonheur, la jouissance dans la violence, dans la domination, c'est un motif à proprement parler sadien. Sans aller jusqu'à des images de domination violente, il est intéressant de voir qu'à certains points du recueil, eh bien c'est la figure de l'artiste sans violence aucune qui apparaît comme dominant le corps féminin. Attention, encore une fois, sans qu'il n'y ait aucune violence. Mais ça, juste le fait que l'artiste apparaisse dominant la femme, eh bien c'est un motif sadien. Un exemple, le célèbre brosse à cheveux, qui est même sur la couverture du livre, à la page 109. C'est un dessin très drôle. On devine que c'est un modèle qui pose nu. Et vous savez, quand le peintre prend les mesures, il prend toujours les mesures comme ça avec le pinceau pour être sûr de bien reproduire les proportions dans le dessin. Et bien là, le peintre, Man Ray, a dessiné le corps de la femme avec le pinceau devant, comme s'il était en train de prendre les mesures. Et il a rajouté un titre très humoristique, « Brosse à cheveux ». Voilà, donc ça c'est pour l'aspect humoristique du dessin. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ce dessin, la main masculine de l'artiste couvre la femme, cache la femme. Et en cela, c'est une figure de domination de l'artiste sur la femme. Il y en a d'autres dans le livre. Par exemple, si vous regardez, j'ai pas la reproduction, mais le dessin « C'est elle ». Dans le dessin « C'est elle », on voit une femme captivée par une statue qui ressemble un peu à un automate. Ça, c'est une autre image de domination de la femme par l'artiste. La femme est littéralement obsédée, absorbée par le travail de l'artiste. Dernier exemple, et c'est tout pour cette vidéo, c'est l'exemple de la lecture à la page 31. Alors, dans « Brosse à cheveux », on voyait une domination de l'artiste qui dessine sur le corps féminin. Ici, c'est intéressant parce que bon, c'est un dessin de Man Ray forcément, mais c'est une domination de l'écrivain sur la femme. Vous voyez qu'ici, le texte écrit, le livre, couvre la représentation de la femme à tel point que ça la rend méconnaissable. On ne voit pas son visage, on voit mieux ses cheveux que son visage parce qu'elle est trop absorbée, elle est sous l'emprise de l'écrivain. Donc là, paradoxalement, si on tire un petit peu ce motif de la domination sadienne dans les mains libres, on voit que même l'écrivain est en position dominante par rapport à la lectrice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur notre site et surtout, à très bientôt sur DigiSchool. We'll be right back.